Et salut tout le monde, c'est Trimano. On se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine. Bras de fer, Roboom contre Anihotron. Donc match de boxe à hype assez importante. L'affrontement de deux robots épiques. Les étincelles vont jaillir et l'huile va couler. Aidez-les à décider qui règne en maître, Roboom ou Anihotron. Et c'est parti. Donc pas de deck à faire cette semaine. Les decks sont déjà préfaits. Ce sont que des cartes de l'extension Gobelins et Gnomes. Donc les mécas, l'aléatoire, tout ça. Donc petit match de boxe entre l'Anihotron et Roboom. Un peu à la façon Fight Club. Il y en a un qui va se prendre un savon. Espérons que ce soit pas moi. Ça serait un petit peu triste. Donc là, comme vous le voyez, je joue Roboom et je suis contre Anihotron. Donc des nouveaux champions, et qui dit nouveau champion dit également nouveau pouvoir héroïque ainsi que nouveau bruitage. Donc comme je vous ai dit, là on a bien les cartes aléatoires et méca, donc de gobelins et gnomes. Donc pour le héros, je vais vous montrer quelques bruits. Donc le bonjour, un bonjour classique. Voilà, un Anihotron qui dit bonjour, bonjour, bonjour. C'est un peu son cri de guerre quand il rentre dans le jeu aussi. C'est d'ailleurs son pouvoir héroïque. Bonjour, bonjour, bonjour. Plutôt poli ce robot. J'imagine qu'à force de le passer à l'huile, il est bien poli. Alors, du coup, passons au pouvoir héroïque. Alors, pour moi, c'est Roboom Junior. Donc, qui inflige un point de dégâts à deux adversaires aléatoires. Et vous allez le voir maintenant parce que je vais l'utiliser. Hop. Ça, c'est l'ajout, hein, c'est pas du tout le pouvoir héroïque. Donc il y a égalité. Et voilà, donc vous voyez deux bombes qui sont un point de dégâts chacune. Ça peut être deux fois dans la tête, deux fois sur un minion, une fois chacun. C'est aléatoire, c'est du gobelin et gnome, des mécas. Hop. Et l'Anihotron, son pouvoir héroïque, donc c'est bonjour, 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 avec un petit coup de klaxon et des confettis qui partent quand il l'utilise, qui confère bouclier divin et provocation au serviteur avec la plus faible attaque. Donc là, il réfléchit, les tuyaux sont en train d'être rebranchés, petite coupure. Allez. Donc, Gnome Regal. Toujours des cartes de Gobelins et Gnomes, vu qu'il n'y a que de ça. Alors, est-ce que c'est un mecha? Non, ce n'est pas un mecha. D'ailleurs, je dis des bêtises. La Jouteuse de Gazectan est une carte du grand tournoi et pas de Gobelins et Gnomes. Autant pour moi. Donc là, on n'a pas le choix. On tape dans la provocation. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, réducteur fou, pouvoir héroïque. Donc là, vous voyez, l'animation est quand même super bien faite avec toutes les confettis qui partent. C'est vraiment bien fait. Hein. Ça, ce n'est absolument pas un mecha, évidemment. Alors. Bon. Ok, nickel. Et tu le tonnes. Et là. Je suis dans une plutôt bonne position parce que mes deux créatures peuvent trade la sienne. Donc, à part s'il a son pouvoir héroïque, je suis mal dans la game. Lingotron, il a eu l'épée paladin qui heal de 2 quand on tape. Et moi, ben, j'ai eu une arme très mauvaise. Glaive, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on peut jouer le Mechashaurus juste derrière, une grosse culture. Normalement, il va être obligé de balancer ses deux l'arme et le monstre dedans. Enfin, j'imagine. Il peut pouvoir héroïque aussi pour garder son monstre. Selon toute vraisemblance. Et c'est ce qu'il va faire. Ça me met pas spécialement bien parce qu'il va vraiment être boosté son Blingotron. Ça va être assez triste pour moi, ça. Oh, j'ai de la chance. Bon, j'ai de la chance que le pouvoir héroïque n'ait pas été sur son Blingotron. D'ailleurs, il a un peu misplay de le faire après avoir posé le CLC et pas avant.
Donc on récupère les pièces détachées, donc grâce au méca Chaours qui, à chaque fois qu'il prend des dégâts, me donne une pièce détachée. Donc là, j'ai plusieurs choix de... Plusieurs choix. Soit je joue Dr. Boom, la famille s'agrandit, hein, parce qu'on va faire venir les frères Roboom. Hop. D'ailleurs, célèbre émission chez Blizzard, une famille en Ro, avec la famille Roboom contre la famille Ennuyotron, hein. Évidemment. Alors, donc, je pense que je vais quand même partir sur le méca téléporteur. Je vais booster. Et avec un petit freeze, deux petits freeze sur les créatures pour pas qu'ils viennent, me les détruire. Et du coup, on jouera le Dr. Boom le prochain tour. Dr. Boom, hein, carte vraiment très équilibrée, vous le verrez. Non, pas du tout, hein, c'est la carte la plus forte du jeu. Et ça met une sacrée pression. Ok, donc là, il a un board avec beaucoup de divins, ce qui est assez embêtant. Et bon, bonne nouvelle, parce qu'on peut trade le Sensei de fer. Et je pense qu'au lieu de, développer le boom, je vais faire autre chose. Oui, je vais... Ouais, je vais faire autre chose. Je peux faire 4, 5, 6... Non. Alors, 6... 7, 8, 4, 6, 10, je compte pour le mana, ok, bah donc je vais renvoyer le Clicteur Persévrique dans ma main avec le jeune maître, je vais pouvoir héroïque, et je vais rebooster mon méca téléporteur, et j'espère que mon pouvoir héroïque tombe sur le gardien de cobalt, comme ça je peux le trade et ne pas me prendre... du coup 6 points de dégâts qui trade une de mes créatures gratuites. Hop. Alors, oh là là, la RNG. C'est évidemment tout prévu, on savait que le pouvoir héroïque allait bien tomber, hein. Non, pas du tout. La chance, il en faut bien des fois, hein. Ça fait du bien. Hop là. Donc Caludre, que va-t-il faire? J'imagine un mecha pour changer. Donc un Ennuyotron et Roboom, hein, deux robots phares de l'extension Goblin Gnome. Ah, cycle gaspillé, pas de chance. Ok, chevalier mécanique, rouage marteau. Évidemment, on n'a pas de chance là où ça tombe, hein, mais bon. On a déjà assez abusé de la chance comme ça. Ok, donc il prend 6. Ok, donc là, je pense que je vais jouer... 7, 8, 9. Moi, je vais juste jouer Dr. Boom et. Moi, je vais jouer la bombardière aussi, comme ça, si j'ai un trade à faire, genre pour casser un bouclier divin ou si j'ai une créature à 2 de défense ou. Ah, mais non, mais il triche. Il a des cartes de tricheur aussi, c'est pas drôle. Ah, franchement, c'est pas cool, quoi. Je savais même pas qu'il y avait un. À recycler dans le deck. Alors, canon lance-flamme, très bien. Alors, pouvoir héroïque. Allez, tape à 5-5, s'il te plaît. On y croit. Ah, évidemment. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Ok, donc là, on va jouer le bric-à-bot. Si mes pompes tapent 4 et 4 face, j'ai gagné. Là, ce que je veux, potentiellement, c'est au moins... Soit qu'elle tue le héros, soit qu'elle tue le mini-robot blindé. Alors, attention. Déjà, elle ne tueront pas le héros. Allez, tape 3 sur le mini-robot, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, voilà, la RNG, le jeu. Comme quoi, des fois ma copine me trompe, des fois non, parce que la chance de jouer, ça vient... Et... Ça vient plutôt. Dans les deux sens, ça marche. Ok, donc. C'est assez embêtant ce qui nous sort là. Ok, donc. Okay.
Donc là, normalement, prochain... Je dis bien normalement, parce qu'il peut encore nous sortir des choses exceptionnelles. Normalement, prochain tour, on a gagné. Ok. Faut pas qu'il pouvoir héroïque, si possible. Bon, ok, il va pouvoir héroïque, mais ça va tomber sur la 3-2, donc... Ah bah si, c'est grave, hein. C'est... très ennuyeux. Je n'ai pas gagné. Ah. La RNG, on va essayer. On y croit. Je pense même... Ah mais non, je peux pas trade avant, parce que si je trade mon shredder, enfin mon déchiqueteur piloté, avant de claquer l'explosage gobelin, j'ai pas d'assurance sur le fait que ce soit un mecha qui repop, et donc que mon explosage fasse des dégâts. Du coup, j'ai devoir le jouer avant. Oh là là. Oh là là, le jeu est avec moi. Le jeu est avec moi. Et il me menace. Mais c'est moi qui ai gagné le combat de boxe. Hop là. Oh boom, le robot le plus solide d'Hearthstone. Hop. Et c'était Trimano sur Evasion Studio. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Steam, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bras de fer.